Chancé, Mister Chancé. Comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est une vidéo assez spéciale parce que c'est le déballage du colis numéro 8. Puisque, effectivement, regardez ce que j'ai. Un colis de chez Amazon. Donc, mais évidemment, derrière, il y a l'adresse. Voilà. Donc, moi, je sais ce qu'il y a, mais vous, en tant que qu'abonné, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà. Bonne vidéo, pardon. Ah oui, quand même. Donc, le colis, il est vide. Voilà, c'est quand même un carton assez gros. Attendez, comme ça. Un assez gros carton, voilà. Où dedans, il y a... Alors, un film italien de Pier Paolo Pasolini. Il s'agit de Médée. Voilà. Donc c'est un film italien, hein, voilà. Avec Maria Callas, Laurent Terzieff, Giuseppe Gentile et Massimo Girotti. Donc c'est des acteurs italiens, hein, les liens. Et comme vous voyez, c'est un film de Pier Paolo Pasolini. Voilà, donc c'est Médée. Oh là là là. J'ai acheté un coffret, donc je vais vous montrer, mais évidemment le coffret que j'avais acheté à Val d'Europe. Donc ça, c'est celui que j'ai acheté à Val d'Europe pour 10 euros. Il est aussi sur Amazon pour 13 euros, mais là ils l'ont baissé, ils l'ont remis à 9 euros. Je sais pas pourquoi, ils l'avaient mis à 13 euros de base, et là ils l'ont mis à 9,99 €. Donc 10 euros, pile le prix que j'ai acheté à Val d'Europe. Voilà. Mais il y en avait plein des coffrets. Il y avait celui-là, il y avait un autre et un autre. Et j'en ai pris un, où dedans, il y a trois films d'horreur. Il y a The Veil, The Darkness, Ouija et Catacombes. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a 4 DVD dedans. Voilà. Et pour terminer, bon, je sais, c'est une série télé pour les filles, je pense. Il s'agit de Maggie et Bianca, Fatch and Friends, saison 1, partie 1. Donc, il n'y a pas la partie 2, malheureusement, mais il n'y a que la partie 1. Donc, du coup, j'ai acheté la partie 1. Voilà. Donc, c'est l'épisode 1 à 13. Hein. Voilà. Okay, voilà. Donc on va commencer par déballer Médée, le premier DVD, hein, voilà. Donc en fait c'est en version audio, c'est italien mono d'origine restaurée, sous-titré français, français sourd et malentendant. Les bonus, il y a les scènes coupées, les visions de la Médée, notes de production. Voilà, c'est tout, il n'y a pas beaucoup de bonus. Mais il y a quand même des bonus, c'est déjà ça le principal. Voilà. Donc il est tout neuf, hein, comme vous voyez, il est emballé dedans. Dans le cellophane. Mais... Ah, cellophane. Bon. Ils sont pas... Ah, il est magnifique. Voilà comment il est le DVD. Voilà. Par contre, l'odeur... Attendez. Ça sent le plastique chauffé, c'est... Ouais, c'est pas... Bah, bon, c'est pas... Donc voilà les images derrière. Voilà. 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 Donc j'ai jamais vu ce film-là. Donc il y a marqué, mais évidemment, les maîtres italiens. Donc c'est... Voilà, les maîtres italiens. Voilà. Donc avec ce DVD-là, il n'y avait pas que celui-là, il y avait aussi... Acetone. Il y avait plein d'autres DVD de ce style-là avec les bandes oranges dessus. Voilà, mais j'en ai pris qu'un seul parce que voilà, ça coûte certes 10 euros. Ce DVD, il a coûté quand même 10 euros. Donc 9,99 €, hein, voilà. Voilà, j'en ai pris qu'un seul. Ah, regardez le petit défaut de fabrication. La pochette est un peu cornée. Enfin, elle est un peu abîmée. Donc, elle est un peu pliée. Par contre, je vais voir l'état du DVD parce que je crois que c'est. Il est tout neuf, le truc. Bah, regardez, c'est quoi cette tache là qui est sur le boîtier, regardez. Une petite tache marron bizarre. Bah, pourtant, il est tout neuf le DVD, je viens de le déballer. Bon, je sais pas. On continue avec le coffret des 4 DVD. Voilà. Donc, je vous dis honnêtement, je n'ai vu aucun des 4 films qu'il y a dans ce coffret. Donc, bien sûr, il faut un ciseau. Mais moi, j'ai pas de ciseaux à portée de main, donc je vais prendre avec un bouchon de stylo. Voilà. Super.
Voilà. Bon, ça a pété. Pareil, emballé bien intégralement dans son plastique. Et les DVD aussi sont sous cellophane. Attendez. Ah oui, ils sont effectivement emballés aussi les DVD. Donc, voilà. Hein. C'est le même coffret que. C'est exactement le même coffret que celui-là. Hein. Voilà. Donc, c'est aussi les films d'horreur. Hein. Voilà. Donc, il y a The Veil. The Veil. Voilà. The Darkness. Voilà. Avec Kevin Bacon. Voilà. Ouija. Voilà. Ce n'est peut-être pas qu'un jeu. Ouija. Pas les producteurs de Massacre à la tronçonneuse et les producteurs de Insidious. Voilà. Après, j'ai pas vu. Je sais pas s'il y a des bandes d'annonces là-dessus. Non, il n'y a pas de bonus. Même pas de bandes d'annonces. Oh, c'est pas drôle, hein. Pour au moins voir les bandes d'annonces du film. Ouais, c'est pas grave. Et pour terminer. Catacombe. Voilà. Donc si vous retournez, ça fait la tour Eiffel. Voilà. Mais sauf qu'en dessous, il y a des crânes humains. Voilà. Ah, oh, regardez l'image derrière. Ah, oh, l'horreur. Ah, oh, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Donc, on va commencer par The Veil. Voilà. Ils sont vraiment sous plastique, hein. C'est pas des bêtises, hein. Alors là, on peut pas dire qu'ils sont neufs, hein. Pas galérer à ouvrir un DVD quand même, crotte. Voilà, le petit DVD veille. Voilà. Donc là-dedans, il n'y a pas de bonus non plus. Oh, magnifique. Voilà comment se présente le DVD. Et en plus, il est un boîtier glossy, c'est-à-dire qu'on voit le reflet de avec quoi je filme en fait. Là, je filme avec le PC, voilà, avec l'ordinateur. Voilà, tout simplement. The Darkness, avec Kevin Bacon. Donc là, par contre, il y a les fins alternatives et les scènes coupées. Voilà, super. Et dans les autres, il n'y a pas de bonus. Ah bah, c'est nul, c'est pas top. Ah oui, c'est vraiment pas drôle, là, pour le coup. Il y a juste que dans The Darkness, il y a un bonus et il y a des bonus, et dans les autres, il n'y a pas. Bon, mais tant pis, c'est pas grave, on va faire avec. J'arrive pas à l'enlever, ça m'énerve, non? Avec ça, pas m'embêter avec ça, hop, un petit coup de babouchon de stylo, hop, c'est bon. Attendez, je trouve que le papier il a pas la même matière sur The Darkness que sur The Veil. Sur The Veil, le papier était oh, magnifique aussi, pareil, sérigraphié et bien sûr le boîtier glossy. On ne change pas les habitudes. Je vais quand même que le DVD est propre, que ce n'est pas dû occasionner, parce que des fois les gens, ils achètent sur Amazon, ils revendent, ils remettent sous cellophane, ils remachinent tout. Donc là non, c'est bel et bien du neuf. On m'aurait pas arnaqué comme ça pour ça. Surtout que le coffret a coûté, bah pareil, je pense que pareil, même le même prix que le DVD MD, je crois. 10 euros, je crois. Oh, je sais plus, faut que je revoie sur Amazon. Bon, écoutez, on va pas se faire casser la tête avec ça. Hop, un petit coup de. Bouchon de stylo et hop, ça ouvre. Voilà. Allez, hein. Hop, Ouija. Voilà, Ouija. Donc, c'est la première fois que j'aurai un film sur le paranormal. Enfin, sur le. Ah. Pareil, sérigraphié, magnifique. Vraiment magnifique. Donc, là, ils vont utiliser une planche. Ah oui, par contre, ça, regardez la dernière scène avec la fille avec les yeux blancs. Cette scène-là, elle est dans la toute fin de la bande-annonce, en fait, du film. C'est vraiment. Bon. Ouh, vache. Et on finit avec Catacombe. Voilà. Le quatrième et dernier disque. Voilà.
Ah bah pareil. Il est sérigraphié aussi, pareil. Le boîtier quand même, toujours possible aussi. Hop, il est mis à l'envers. Hop, voilà, là c'est mieux. Bah, il sent pas d'odeur celui-là. Celui-là. Ouh, ah lui il sent. Hein. Le Ouija il sent. Il sent mauvais. Hein. Bon, vache. Le Darkness. Pareil, il sent la même odeur que le Ouija. Bon, je sais, vous me trouvez un peu bizarre, mais. Non, je sens rien non plus. Alors, il n'y a que Catacombe et The Veil qui sentent rien, mais Ouija et The Darkness, ils sentent. Oh, ils puent. Ah, c'est dégueulasse. Non, franchement, regarde la scène, c'est dégueulasse. Bah, regarde-moi ça. Et je vais regarder ça en plus. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Donc, oui. Donc quand je sens les DVD comme vous venez de voir, c'est référence à l'UN2850. Parce que lui, quand il déballe les DVD, il les sent. Et quand il les sent, il fait ouh, ça c'est de la pétrochimie. Donc voilà. Et on va finir le colis avec Maggie and Bianca Fashion Friends, saison 1, partie 1. Quoi ça? New Maggie Bianca. Je sais pas, c'est un ticket de caisse, je pense que c'est ça. Voilà, donc ça c'est Maggie Bianca. Et je viens d'entendre un DVD tomber. Oh putain, non! Ah bah je vais le renvoyer. Il est rayé. Donc oui, il y a le DVD 1 qui s'est cassé la figure dans le boîtier, donc voilà. J'espère qu'il n'est pas tombé pendant la réception du colis parce que. Non, ça va. Je regarde s'il n'est pas rayé parce que des fois ça se peut que bah, le DVD soit rayé. Parce que si le DVD n'est pas bien attaché au boîtier, s'il tombe, il va se frotter sur la boîte, sur le support du DVD. Et ça va rayer complètement le DVD. Quand on va le déballer, on va se dire tiens, on va le regarder. Et finalement, il est tout rayé parce qu'il est tombé dans la boîte. Voilà, donc voilà. Donc là, ça se présente comme ceci. Donc il y a deux DVD. Donc DVD 1 avec les 7 premiers épisodes, DVD 2 avec les 6 épisodes qui restent et les bonus. Donc, il y a des bonus dedans. C'est tout? Ben, ils mettent pas les bonus qu'il y a dessus. Ils marquent bonus. C'est tout. Oh, ils auraient quand même pu au moins marquer le nom des bonus, non? Donc, oui, là, donc là c'est pour si vous voulez commander des autres. Il y a The Wings, il y a Maggie et Bianca. Royal Academy et Maggie et Bianca. Donc, il y a la partie 1 et 2 et 2. Non, il n'y a que la partie 1. Pardon. Donc, là, livre. D'accord, c'était que des livres en fait, voilà. Donc voilà. Donc bah écoutez, non ils sont rien. Donc voilà, écoutez, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. C'était Mister Yuxina sur ce. Ciao à tous.